à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va à peu près, j'essaye de me booster. J'ai toujours le Covid, alors il y a des hauts et il y a des bas. Ce matin, je me suis... Hier soir, j'étais en pleine forme. Ce matin, j'ai bien dormi. Ce matin, ça allait. Et là, ça a dégénéré, mais je me booste parce que je ne veux pas... j'ai refait mon lit pour pas me remettre dedans. Mais je sens que ça va pas tarder. Parce que je ne suis pas très très bien. En fait, c'est la fatigue qui prend le dessus. C'est l'essoufflement, le mal aux jambes, mal aux bras, les bras qui happent là, les jambes pareil. Et voilà, donc il y a des hauts et il y a des bas. Donc, mais je suis quand même... J'ai respiré ce matin, j'ai fait le tour de la maison. Et je suis passée par la boîte aux lettres. Et il y avait donc ce... colis de DI Shoes. Donc, ben nous allons. J'ai regardé, j'ai ouvert hein, parce que je ne savais pas de qui cela venait parce que j'en attends encore plusieurs. Donc, j'ai un objet, deux objets, trois objets et quatre objets. Voilà. Donc, je vais baisser un petit peu que vous voyez mieux. Les produits. Alors, je vais commencer par le premier. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oulala, c'est pour une peinture par numéro. Et oui, vous savez, c'est les châssis, en fait. Donc, ce qui va certainement aller avec cette petite, toute petite nounette, petite toile, hop, toute petite, je sais plus la taille. Je sais plus la taille du tout. Voilà, donc j'ai les pinceaux, ça c'est toujours les pinceaux qui nous mettent, même les grandes toiles. J'ai 9 couleurs, 9 couleurs. Donc il y a la toile et j'avais pris cette photo parce que je me suis dit c'est facile, c'est petit, vous verrez vite le résultat. Nous sommes d'accord. Alors, je vais quand même regarder. Alors là, il y a les indications. Donc, c'est vrai que la toile est très petite. Mais alors, je vous le donne en mille. Alors, on va essayer de la rouler dans l'autre sens. Là. Voilà, je vous le donne en mille. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est microscopique, je vais vous faire voir. Regardez comme c'est petit. Alors, je vais le faire par rapport à mes doigts. Ça veut pas se mettre net, évidemment. Voilà, là c'est net. Ben écoutez, il y a des trucs, c'est vraiment trop trop petit quoi, trop trop. Je sais pas du tout. Si je vais réussir à faire ça, hein. Mais bon, j'ai dit, en prenant une toile petite, ben, ça irait bien et tout. Et puis, ben, du coup, je me rends compte que c'est pas génial du tout. Et en plus, y a mon appareil, il ne veut pas faire le focus là. Voilà. Donc, c'est vrai que l'image est très jolie, hein. Regardez, elle est super jolie. Mais bon, voilà. Ben, je sais plus la taille que c'est. Je vais prendre ma règle. Alors, ma règle qui est là. Donc, c'est une 8. Par 8, certainement. Par 8. Voilà, c'est 8 par 8. Elle est très jolie. Mais il me faudra un pinceau. Il y a des trucs, je vois même pas, quoi. Je vois pas. Ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Ça sera pas possible. Je pense pas. Hein. Je tenterai. Je tenterai. Mais il me faudrait une loupe. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Une qui a les bons yeux. À ce moment-là, je peux faire un lot. Je peux faire gagner donc cette toile. Parce que moi, je pourrais pas. Hein. J'ai des problèmes de vue. Et avec le petit truc pour l'encadrer, en fait. Je
J'aurais dû prendre carrément un cartoon. Je sais pas. Mais bon, là, il va y avoir souci. Ouais, ça, c'est sûr. Alors, je vais rembobiner le truc. Voilà. Et oui, je voulais en faire une rapidos pour vous montrer le résultat et tout. Et en fait, alors, s'il y en a une qui a des bons yeux, hein, en commentaire, elle me le dit. Voilà, si ça peut intéresser. Parce que moi, je vais avoir vraiment, vraiment, j'y arriverai pas. C'est pas la peine, j'y arriverai pas. C'est trop, trop petit. Trop petit. Si vous avez des yeux vifs comme un faucon, comme un aigle, à ce moment-là, on pourra peut-être envisager. Donc, c'est dommage parce qu'il y avait le châssis qui allait avec. Hein. Donc, ça, c'est super bien. C'est super bien. C'est du 20 par 20. Et la toile fait 8 par 8. D'accord. Ouais, bon, bah, j'ai mal calculé. Je sais pas. J'ai mal calculé. Ça, c'est la toile 8. Oui, elle devait faire donc 8, 9, 10, 11, 12. J'avais calculé pourtant. Oui, parce qu'elle fait 20 par 20. Oh, je sais plus. Enfin, bref, voilà. Donc, ça. Mais c'est pas évident, mon Dieu. Alors, ensuite. Le reste, alors le reste, si je me souviens bien, ce sont des choses que j'avais vues dans les loisirs de Nanou, il me semble. Et elle m'avait fait une super idée. Elle m'a dit, il faut aller voir dans les nouveautés. Donc c'était qu'on appelle ça, des couvertures de chaises, là, pour mettre sur la chaise. Donc c'est tout à diamanter. Alors je viens de tester, j'ai des grandes chaises. De toute façon, vous avez les dimensions. Moi, avant de commander, j'avais bien regardé si ça pouvait le faire. Et en fait, ça pouvait le faire. Alors sur l'envers, c'est une sorte de feutrine toute douce. Il y a un petit pompon là. Et alors de ce côté, c'est comme... c'est du plastique, c'est plastifié, vous savez, comme les nappes qui sont en plastique. Bon, plus fin, hein, c'est fin. Et donc, il y a toute cette partie-là qui est à diamanter. Je trouve super jolie. Et donc, nous avons le petit tool kit de base et tout ce qui est strass. Alors, qu'est-ce qu'il y a en diamants spéciaux? Je vais aller voir si je trouve le truc pour l'ouvrir. Voilà. Voilà. Alors, il y a des strass. Des strass, des strass, des strass, beaucoup de strass, vous voyez. Translucide, c'est la même référence, oui, il y en a beaucoup du translucide. Rouge, ambre, doré, fuchsia, vert foncé, trois sortes de verres. Et voilà, ce sont les petites étoiles. Ah ben moi je trouve ça super bien. Alors j'en ai commandé dans plusieurs partenariats. Pour essayer d'avoir la table de Noël avec ça pour les enfants, c'est sympa. Voilà, donc là je mets tout ça dedans. Voilà, donc super super sympa, super sympa. J'espère que c'est pas trop long à faire. Alors je referme. Ah, je suis bien contente, hein, par rapport à la peinture par numéro. Ah, j'ai mal choisi l'image. J'aurais dû choisir une image, je vous dis, plus cartoon, vous savez, où il y a des gros. Mais là, je pensais pas, franchement, qu'il y aurait des si petites parties à peindre, quoi. Alors, ça colle trop. Est-ce que ça va rentrer? Avec le pompon, là. J'y arrive pas. Bon, ben, c'est pas grave. Et là, donc, je pense que c'est la deuxième, puisque j'en ai plus deux dans le même style à peu près. Hop! C'est tout, tout doux. Petit pompon. Donc, c'est roulé dans ce sens-là, d'accord. C'est la même à peu près, hormis que c'est du vert, couleur verte. L'autre, c'est rouge. Toujours la partie écossaise, la partie rayée ici. Nous avons le petit tool kit et au niveau des diamants, alors c'est où que ça s'ouvre là? Je crois qu'il n'y a que des strass. Ah oui, ben c'est bien, c'est chaque lettre a un strass, donc il n'y a pas de diamants spéciaux.
Voilà, le bleu, le c'est du bleu. Ah oui, ben ça va être génial. Oh, ça va être génial, je pense. Voilà. Le 5, c'est le vert, c'est ça. Le bleu, c'est le 4, c'est ça. Le 3, c'est le jaune, c'est ça. Le 2, c'est celui-là. Le 1, c'est celui-là. Et par contre, le transparent, c'est quoi? C'est le 6. Ah ben, le 6, c'est tout le tour des lettres. Ah, d'accord, toutes les lettres sont délimitées avec de l'argenté. Ah ben, moi, j'aime bien, hein. Franchement. Bien contente de ces petits objets-là qui vont décorer un petit peu plus la pièce de vie de Noël. Voilà. Super, hein? Ah, super, je suis contente. Hein? Je suis contente. Voilà, donc là, je l'ai roulé dans le bon sens et l'autre que j'ai roulé dans le mauvais sens, je pense. Alors, est-ce que comme ça, il va se remettre bien? Ça serait sympa que oui. Hein? Voilà, voilà. Le petit pompon. Petit pompon, il coince. Là, il y a de la colle, beaucoup. Alors, c'est pas évident du tout. Et c'est que je voudrais le rentrer quand même. J'aime pas laisser les choses en plan comme ça. Après, je pourrais le faire hors caméra, mais ça, c'est dans ma tête, c'est comme ça. Et ça ne veut pas. Ça ne veut pas, parce que ça colle. Allez. Voilà. On force un peu, pas trop, parce que je ne veux pas abîmer le truc. Et ouais, la colle, il y a beaucoup de colle, là, à cet endroit-là. Voilà. Donc, ça y est, j'ai remis. J'ai plein de colle. Donc, celui-là, ben, je le remettrai tout à l'heure. Voilà. Tiens, d'ailleurs, il y a de la colle qui s'est mise dessus. Ah, ils mettent une sacrée colle hein, sur les pour fermer les colis. Enfin, pas les colis, mais les sachets comme ça. Voilà. Ben, moi, je suis bien contente de mes deux housses de dossiers de chaises. Ils sont super. Il me tarde de les faire. D'ailleurs, je vais peut-être attaquer maintenant. Mais je ne suis pas bien. Je suis pas bien. Mais il faut que je fasse. Il faut que je fasse des choses. Il faut que je m'active. Parce que je ne veux pas me recoucher. Voilà. Et puis, pour ce truc-là, je vais quand même y revenir. Parce que c'est pour la taille. J'avais bien choisi. J'avais bien lu. Alors, mon ciseau, il est là-haut. Voilà. J'avais bien lu le truc. Et ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Je vais voir à peu près, hein. Alors, ça c'est les... Hop, comme elle sera, hein, en fait. Ça sera comme ça, et ça sera comme ça. On est d'accord. Voilà. Et donc, si je prends ma règle que j'ai perdue, je vois que ici... Ah, mais non, tout à l'heure, je me suis trompée. J'ai pris dans ce sens-là, d'accord. Oui, ben, je pense que ça va aller. Je me suis trompée dans ma règle. Alors, attendez. Je pousse ça là. Je pousse ça là. Je vais regarder la toile. Voilà. Hop, hop. Mon petit bout de toile. Là. Je vais regarder avec le bon côté. C'est une 20. C'est une 20, donc c'est à dire que ben, elle va déborder. Elle va en fait, non. Ce qui va se passer, c'est que ça va prendre sur la partie que j'aurai normalement peint, mais ça va la partie qui va être peinte là va se retrouver. Non, c'est très bien, c'est pile poil. Et non, mais c'est pile poil. C'est pile poil, elle va juste. Elle va juste. Hop là, c'est tombé. Alors, je sais parce que j'ai pas assez baissé le truc. Donc, c'est pile poil. C'est pile poil. Cette partie-là, elle va aller super bien. Et cette partie-là, donc, va se mettre sur les côtés comme ça.
le plus dur. Là, on voit à peu près l'esquisse de la dame dans la neige ou je ne sais quoi. Ça m'étonnerait, mais bon. Alors, il y a des choses qui sont extrêmement petites. J'y arriverai pas. Je pense pas, j'y arriverai pas. C'est vraiment trop petit. Voilà. C'est dommage parce que je suis contente de ce truc-là qui va très bien. Voilà. En plus, il y a un site, ils m'ont expliqué comment il fallait faire, donc c'était sympa. Et d'ailleurs, ah oui, il y a tout ce qu'il faut là, forcément. Et oui, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc je suis contente, la taille, elle est nickel. Le plus difficile, ça va être de faire les détails de la toile. Les détails de la toile. Je vais faire les grosses parties, ensuite je verrai sur les petites. Et puis voilà. Et puis voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour la toile sur châssis. Donc, ben écoutez, c'est. Où il est le. Je trouve plus l'emballage. Ça, c'est l'emballage de la toile. Je ne vais pas trop bien, je suis désolée. Hein, si l'unboxing, il a l'air d'être un petit peu au ralenti. J'espère que le site ne va pas m'en vouloir. La toile, ça m'ennuie vraiment un petit peu parce que les détails, ils sont trop détails, quoi. Ils sont hyper petits. Hyper, hyper petits. Voilà, donc ça, c'était là. Par contre, je ne retrouve plus. Il est là. C'était là-dedans. Voilà. Ça, c'est super. Super. Si j'arrivais à faire la toile, ça serait génial. Mais là, je ne le ferai pas parce que je suis malade. Donc, les détails, c'est même pas la peine. Voilà. Écoutez, moi, je suis bien contente de mon partenariat, surtout pour les dossiers de chaise. Je suis un peu déçue pour la toile parce que je ne voyais pas des détails aussi petit, aussi. Ah, c'est microscopique, quoi. Je me suis mis plein de colle sur les ongles et tout. Regardez, aujourd'hui, je voulais me faire les ongles, tout ça, mais j'ai même pas la force, j'arrive pas. J'arrive pas. Mais bon, ça va revenir. Allez, on y croit. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a dû vous plaire, forcément, c'est génial. Donc, vous aurez tout en barre d'infos. Le petit truc châssis, c'est génial aussi. La toile, j'aurais peut-être du mal. Donc, éventuellement. Dans un autre partenariat, je prendrai une toile peut-être plus simple dans la même dimension, éventuellement. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire, prenez bien soin de vous. Là, je regardais l'émission, je ne sais plus, avec Pascal, je ne sais plus quelle chaîne non plus. Il disait que la cinquième vague, était fulgurante. Et voilà, il y en a plein qui ne comprennent pas. Ben, on est vacciné, mais on l'a quand même. On l'a plus ou moins fort, hein, quand même. Bon, peut-être qu'on évite la réanimation, la mort, peut-être. Et voilà, donc ben, je redoute un petit peu. Mais s'il faut un confinement, il faut un confinement. Enfin bref, ça c'était ça. Ça. Faut pas que. De toute façon, je crois qu'ils regardent juste le rendu, les vendeurs, et ils comprennent pas trop ce qu'on dit. Alors. J'espère, hein, j'espère. Parce qu'une fois, il y en avait un qui me l'avait dit. Donc, il m'avait dit que l'ambiance de la vidéo était bonne, qu'il ne comprenait pas ce qu'il y avait dedans, mais que l'ambiance de la vidéo était bonne. Voilà. Donc, moi, je suis très, très contente. Ça, c'est très, très joli. Donc, j'en ai deux. Et cette toile, elle est super bien aussi, mais un peu compliquée par rapport aux détails qui sont hyper petits. Et ça, c'est super bien. Voilà. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis, bye.